They said the early bird gon' get the worm. Tell me why they sleeping on me. On me. Oh. Tell me why they sleeping on me. On me. Remorque, mais je l'ai mis derrière. C'est un paysan de là où on habitait avant qui me l'a donné. J'avais mis des routes 103 dessus. Cette petite remorque, gros, elle a été ressoudée par 1000 paysans. Je la mettais derrière mon vélo, gros, j'ai fait 1 million de kilomètres avec. Ça, c'est la cabane qu'on a fabriquée pour nos chevaux. Putain, on venait d'arriver de chez mes grands-parents, quoi. C'est à l'époque où on a. Oh, c'est avant l'époque du mobilhome. C'est à l'époque où on n'avait pas de mobilhome, où on dormait dans la cuisine, qui est devenue maintenant la maison de ma mère, où j'ai refait l'étage et tout. Je vais vous montrer après. On avait acheté de la bâche là, d'occasion. On a appris après que c'était du tissu zodiaque volé. Donc on était super contents. Et je me rappelle parce que ça, ma mère, elle avait acheté ça genre à Leroy Merlin. C'était de la volige de merde, elle en avait eu pour 60 euros. Et je me rappelle, c'était un sacré sacrifice à l'époque d'avoir mis 60 euros dans des voliges. Allez, va-t'en du feu, toi, gogol. Qu'est-ce que tu fais les pieds là-dedans? Tu vas te faire mal, idiot du village. Va-t'en avec ta paire de couilles au cul. Les amis, juste pour info, le 2 et le 3 juillet, c'est les portes ouvertes de Shift Tech Nantes et de MX Shop Moto en même temps. On fait les portes ouvertes de nos deux beaux magasins, de notre petit pôle à Nantes, où on va vous présenter tout notre magasin de moto, toute l'activité Shift Tech. Il y aura des passages au banc, on va faire une boutique éphémère. Donc on va vendre les. Putain, j'avais un Roland, frère, horrible. Toute une boutique éphémère avec la vente de vêtements, la vente de stickers, etc. Il y aura évidemment de quoi manger comme d'habitude, il y aura de quoi boire, il y aura un petit stand chiche évidemment, et puis il y aura des glaces comme d'habitude les amis maintenant. Donc on vous attend nombreux le 2 et le 3 pour la petite boutique éphémère de Nantes et également les portes ouvertes de nos deux petites sociétés. Bonjour les amis, alors là petite vidéo avec 1 million d'abonnés de retard parce que j'ai dû dire à peu près à 200 000 ou 300 000 faire ma dernière vidéo FAQ, donc on est bien sur une vidéo FAQ les amis, mais je vais en même temps vous relater un petit peu ma vie, parce que c'est pas genre une FAQ à l'instant présent. J'ai voulu aussi vous expliquer un petit peu comment j'ai fait pour passer de ce mobilhome, de cette caravane. Arrête Kiki. Oh, il est insupportable son culé. Couché Bobby. Viens enculé. C'est un gros bâtard mec, il a un caractère de merde, je l'appelle, il vient pas. Il est pas du tout éduqué ce chien là frère. Dis-toi, une chose, c'était le petit chien à crâne. Alors déjà gros, il est arrivé dans un endroit où niveau éducation c'était pas possible pour lui. Et donc maintenant je passe mon temps à l'adorer, mais aussi je l'insulte, il taque, il chie dans un soulier à moi, etc. Donc en fait le titre un peu putaclic, mais qui pour le coup c'est vrai, c'est comment je suis passé de mon mobilhome, de la caravane où j'ai vécu 8 ans avec ma mère, au château. Parce que pour ceux qui me connaissent vraiment, vous connaissez toute l'histoire, à en dire un petit peu dans chaque vidéo depuis 3, 4, 5, 6 ans, bah du coup tout le monde connaît mon histoire, mais il y a aussi des choses que j'ai jamais expliquées, que j'ai jamais dit. Et puis ça va être aussi l'objet de cette vidéo FAQ où je vais vous raconter un petit peu mon petit parcours, vous expliquer le pourquoi du comment, parce que c'est vrai qu'on est tellement focus dans les vidéos boiseries, on est tellement à 200% motivé, je suis tellement passionné, je suis tellement heureux que des fois je me réveille le matin en me disant oh, putain, pourvu que ce soit pas un rêve, tu vois, parce que j'ai vraiment la vie que je voulais. Mais aujourd'hui ce que je voulais vous montrer en vous donnant ce titre de la caravane au château, c'est vous dire que j'ai la vie que je veux, mais putain ça tombe pas du ciel, tu vois. Et gros je suis tellement content de se dire que ça marche, ça veut dire que si tu t'acharnes, ça marche, tu vois. C'est comme quelqu'un qui arrive à avoir des résultats de ouf au sport, chose que j'arrive pas spécialement à avoir, mais je pense que si tu t'acharnes et que t'as envie de faire ça, t'arrives à avoir un cardio de surhumain, t'arrives à avoir des pectoraux bodybuildés, t'arrives à avoir tout ce que tu veux. Bon, après tu peux te mettre une picouse et puis ça va plus vite. La picouse c'est un peu comme l'héritage, tu vois, ça va plus vite, mais et encore, tu vois, j'ai envie de te dire, même pas. Alors en tout cas, je vous fais une petite visite guidée parce que c'est vrai que ça avait énormément plu quand j'avais reparlé de ce mobilhome où j'ai vécu 8 ans avec ma mère. C'était à la fin d'une gitanerie parce que la gitanerie s'arrêtait là. J'étais prêt à déterrer Maurice. Et j'avais fini par vous montrer un peu ma chambre, là où j'ai vécu avec ma daronne. Allez-y, je vous fais visiter le chantier. Alors ce qu'il faut savoir les amis déjà, c'est que je suis pas en train de faire une vidéo regardez, on était des malheureux, on était des SDF, félicitez-moi, pas du tout, je m'en bats les couilles de tout ça, vous savez comment je suis pas là pour faire le mec, regardez, j'ai réussi, j'ai un château, machin, je m'en bats les couilles en fait. Je veux juste vous expliquer comment j'ai fait, vous donner les conseils parce qu'il y a une attente, il y a beaucoup de gens qui me demandent, il y a beaucoup de gens qui voulaient une FAQ, il y a beaucoup de gens qui me disent mais parle-nous de comment t'as fait, de ce que tu fais, de ce que tu montres pas en vidéo, etc. Et donc c'est le but de cette vidéo les amis. On était avec peu de
confort, on n'était pas riche, on n'avait pas beaucoup de sous, on galérait, mais on n'était pas des SDF, on n'était pas sous un carton, on n'était pas dans un pays en guerre, on n'était pas dans un pays où il y a la famine, on n'était pas plein de maladies, on n'avait pas la merde au cul, donc voilà, on était juste des gens pauvres, je pense que c'est le terme hein, qu'on peut définir à cette situation, et on a vécu dans ce mobilhome, on avait moins de confort qu'aujourd'hui, mais on n'était pas malheureux, c'est bien ça que je veux rappeler, je veux pas du tout faire l'influenceur là, genre regardez, je suis passé de SDF sous un carton à multimillionnaire, non, pas du tout, la différence c'est que moi je suis passé d'un gars qui était dans une caravane à un gars qui a un château, et c'est vrai, moi j'ai toujours été ultra transparent avec ma communauté, le but c'est que ça continue, et c'est pour ça que je vous explique ça, c'est pas pour arriver et faire le barbeau, par contre effectivement quand je mets un titre comme ça, je suis passé d'un mobilhome à un château, ça fait le mec qui veut un peu se la branler, mais pas du tout. Je suis vraiment pas comme ça. Donc on a vécu là. Donc là, c'était le lit de ma mère. Ici, il y avait la télé. Là, regarde, il y a encore la gueule à bougnette, frère. Là, c'était la petite cuisine. Là, le petit chauffe-eau que j'avais mis un peu à l'arrache, tu vois, j'avais enfoncé des vis, des grosses vis autoforantes. Parce qu'en fait, avant le mobilhome, ici, c'était un petit chauffage au gaz. Ça marchait jamais, frère. On était toujours avec une pince pour faire claquer le truc, pour que la flamme prenne et tout. C'était horrible. Du coup, un jour, j'ai été chercher un petit chauffe-eau de 50 litres, là. Et j'ai foutu ça, j'ai mis des cales en bois en dessous et tout. Voilà, un chantier. Le micro-ondes, il est toujours resté là. Mec, j'ai l'impression de faire d'urbex dans l'endroit où j'ai vécu le plus. Regarde, genre, on n'a pas vidé les meubles, quoi. Les bols de céréales, les trucs et tout. Non, je me suis dit quand même, faut pas bêter. Ah là, ça c'était mes premiers airsoft quand j'étais plus petit. Que là, on est vraiment pour vous donner la période. On est arrivé ici. Si je crois que je rentrais au lycée à Château-Gontier quand je faisais mon bac, mon CAP, BEP, bac en mécanique moto. Donc je rentrais au lycée à Château-Gontier. Donc j'avais quel âge? J'avais 18 ans. Je devais avoir 16 ans même. 16-17 ans, parce que j'ai redoublé mon CM1. Parce que quand j'avais fait ma première semaine au lycée, quand je suis revenu, on avait déménagé ici parce que on s'était fait, entre guillemets, un petit peu jeter là où on était avant. Donc voilà, si tu veux, on a pris un mobilhome, on a dit, bah, c'est comme ça, puis c'est tout. Donc je suis arrivé, j'ai dit, ah bon, bah venez chez nous là. Donc voilà, là ça c'est la salle de bain. Il est très délabré parce que bah, on l'a laissé un peu pourrir. Hein, voilà. Autant te dire que quand t'as passé 8 ans là-dedans et qu'après t'achètes une maison, si tu veux, t'en as un petit peu plus rien à branler du mobilhome. Donc là c'était la douche, oh là là, maintes et maintes fois je me suis douché là, hop, j'avais juste à tourner la petite poignée là-haut pour ouvrir le vasistas. Le petit lavabo, la petite chiotte. Que si tu te décalais un petit peu, tu vois, elle était pas fixée. Alors mon gars, t'avais le malheur de quand tu voulais te pencher un peu pour te torcher le cul, tu faisais ça là, paf, tout par terre, frère. Mais c'est arrivé combien de fois? On pétait les plombs, gros. Tout ce que tu t'avais dans les toilettes, c'était ici, frère. C'était l'enfer. Ici, ma mère, elle mettait ses petits rouleaux de coton. On tirait les petits cotons. Et là. Ah là là, ce bruit, comment je m'en rappelle de ce bruit de ouf, mec. Horrible, il est horrible ce putain de bruit. Et là c'était ma chambre, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a marqué. Alors c'était le début, derrière la boiserie, tu vois. Thierry Vigneault et la boiserie. Avec le petit poids de 5 kg pour tenir la porte. Donc là c'est ma chambre. C'est un petit peu le bordel parce que bah, j'ai remis des. On a bourriné des vieilles affaires et tout. Mais tu vois, je m'étais fait un kit éclaté d'enceinte. Petite enceinte ici. Là-bas j'avais le petit sub. J'avais branché des enceintes de voiture et tout, laisse tomber. Et là j'avais mis une grosse vis à bois là dans le meuble et j'avais une télé ici. Ma mère elle m'avait offert une télé, je me rappelle, elle avait fait un truc à Hyper-U là. Puisque c'est une sorte de financement à la conso, mais directement chez Hyper-U. C'est-à-dire que la télé qui coûte 400€, tu la payes 1200€ quoi. C'était pas rentable, mais on avait une télé. Donc c'était trop cool. Et puis bah voilà, c'était ma petite piole. J'ai passé 8 ans ici. C'est ici qu'on a tourné la toute première vidéo, la boiserie. Quand on a fait la vidéo aussi où ma mère, c'était genre ma mère m'offre une R8, etc. C'était une vidéo un peu mise en scène justement pour que je me fasse passer un peu pour le fils à papa. Parce que j'aimais bien en jouer de ça au début. Et du coup, c'était drôle quoi. On a tourné les toutes premières vidéos qui n'étaient pas pour YouTube. C'était pour Snapchat, parce que moi j'ai commencé sur Snapchat. Et c'était pour Facebook. Donc voilà. Alors. On va arriver évidemment à se poser, les amis, où je vais pouvoir répondre à toutes vos questions, parce qu'il y a plusieurs jours là on vous a posé plein de questions. On vous a demandé on prépare la fameuse FAQ des 1,2 million presque. Posez-moi des questions, donc on va répondre. Je vais répondre à tout un tas de questions. Mais je voulais vous faire le point, parce que là on va se donner rendez-vous. Je vais vous montrer 2-3 endroits un petit peu sympas de chez moi. On va aller après au château pour continuer cette vidéo et répondre à toutes les questions que vous m'avez posées. Mais je voulais faire une petite intro cool, simple, où je vous montre, voilà mon mobilhome, ma maison, de quoi je suis parti. Et puis bah là on va aller dans les autres endroits. En fait on était, le mobilhome était sur le parking en face. Parce que quand on s'est fait un petit peu tège de là où on louait une maison. Enfin ma mère elle louait une maison à l'époque. Donc si tu veux, ma mère elle a dit bah vas-y on vient chez nos grands-parents. Parce que ici c'était la maison de mes grands-parents. Et donc c'est pour ça qu'on a acheté le mobilhome dans le champ. Et que bah on s'est retrouvé à habiter là-dedans pendant 8 ans. Et donc en fait avant on a vécu ici pour dépanner avant de venir dans le mobilhome. En fait à la base la maison de mes grands-parents, donc celle-ci que j'ai rachetée,
c'était une guinguette. Donc ici, c'était simplement la cuisine professionnelle, là, avec tous les trucs en inox, pour la guinguette. Et donc ici, bah, c'est moi qui ai tout refait, parce qu'il y avait que des gros trucs un peu industriels, des machins, etc. Moi, quand j'ai racheté la maison à mes grands-parents, j'ai fait mon appartement là-haut, où j'ai refait tout le truc en bois que tout le monde connaît. Et donc là, on est parti d'une terrasse extérieure, en fait, et puis j'ai remonté un toit avec des baies vitrées, des machins, des trucs. Et puis après, j'ai dit, bon, bah, faut que je fasse un endroit cool à ma mère. Et donc, on a fait cette petite maison où j'ai fait toute une cuisine, etc. Et puis au-dessus, j'ai remonté des bastings, tu vois, avec des grosses vis dans le mur, de la moquette, et j'ai fait une chambre à ma mère, qui est une chambre qui est magnifique, tu vois. Et là ? Bon alors l'escalier, la dernière marche elle est plus haute parce que je suis pas menuisier tout simplement. Donc je me suis un peu craqué. J'ai voulu faire un bel escalier, vu qu'ici en fait d'en bas on voyait la toiture, ben j'ai tout fait. J'ai fait une petite barrière pour la vilaine bougnette. On lui a fait ça vu qu'elle est vieille la petite chienne. Hop. Ici il y avait des poutres en fait, cette grosse poutre là. Elle allait tout droit là. Et il y avait une autre poutre au milieu là. Donc en fait j'ai demandé à mon pote de m'expliquer comment faire pour faire une espèce de géométrie en bois comme ça qui reprenne la structure et que ce soit solide. Donc tu vois avec des tiges, des grosses tiges filetées boulonnées dedans. Donc c'est pour ça ici qu'on revoit des madriers là que j'ai remis là, que j'ai repris dans la poutre, j'ai percé, j'ai mis des tiges filetées avec des boulons et tout. Et puis après on a coupé les grosses poutres parce que du coup il y avait des poutres au milieu de la pièce quoi. Parce qu'à l'époque c'était un grenier au plafond donc on s'en battait les couilles. J'ai coupé, la toiture elle a fait blam, elle s'est tassée tu vois dans les axes. Et du coup voilà la petite chambre à mère. J'ai fait une petite banquette chicha, on a posé un Velux, la petite télé tu vois qui tourne, les petites enceintes cachées dans les plafonds. Et puis voilà, son petit lit, etc. Mon vieil atelier, les amis, que j'ai tout refait, là, qui n'existait pas, c'était l'extérieur ici, en fait. Je peux pas vous l'ouvrir parce que derrière, il y a un gros jouet. La vidéo arrive bientôt et vous allez voir, donc je vais pas vous ouvrir, je vais pas vous spoiler le truc. C'est sûrement la vidéo qui va arriver dimanche, donc juste après celle que vous êtes en train de regarder. Normalement, vous devrez kiffer parce que là, franchement, c'est chaud. Et donc, cette petite pièce-là, que vous m'avez connu, vous m'avez vu la faire. Il y a des vidéos sur YouTube à l'ancienne où je filme quand je fais les murs, quand je fais ma salle de sport, etc. On est vraiment parti de cette terrasse. Et puis avec mes potes, Babas, Kéké, plein de potes qui sont venus m'aider. On a posé les baies vitrées, on a failli faire tomber les baies vitrées quand on les a montées à Kéké, parce que là le poids les deux baies vitrées. Et puis après, bah, on a tout fait ici, isoler le plafond, passer l'électricité. Puis j'ai des potes électriciens qui m'ont montré comment faire. Des potes plombiers qui m'ont montré comment faire. Bon, ils m'ont dit si t'allumes et que ça fuit pas, c'est bon. Ils m'ont dit si t'allumes la lumière et que ça prend pas feu, c'est bon. Pour info, ça reste toujours ma maison. Pour l'instant, j'y habite toujours. Mais je jongle entre les deux. Le château, si tu veux, maintenant c'est là où je travaille. Et vu que je travaille beaucoup le soir et assez tard, bah c'est vrai que des fois quand je suis crevé, je vais pouvoir dormir au château. C'est quand même un château et j'ai là les pièces donc je peux dormir là-bas. D'ailleurs, les amis, rendez-vous. Donc à mon château, on reprend les images pour bah, justement répondre à toutes vos questions. Mais je suis content de vous avoir fait un petit peu le tour, de vous avoir remontré un peu tout le merdier. C'est parti les amis, rendez-vous au château pour répondre aux questions que vous m'avez posées pour cette putain d'FAQ qui est très en retard. Bon là les amis, changement d'ambiance. J'étais en train de tourner la vidéo à la maison pour expliquer comment on est passé du mobilhome à cette cabane. Donc bah voilà, maintenant on est ici. Alors le principe au départ, avant que je réponde aux questions, je vais répondre aux questions, hein, vous inquiétez pas. Mais j'ai envie de vous présenter, de prendre le temps de vous le présenter le truc là. Ça va être une vidéo un petit peu longue, c'est les popcorn et tout le bordel. Ça va Nat? Ouais. Bonjour. Bonjour frère. Salut frère. Et donc c'est ce que j'expliquais, que dans cette vidéo, tu sais, j'ai mis le titre de la caravane au château. Ouais. Mais que j'ai dit que c'était pas... Je veux bien me justifier. Alors que des fois quand je me justifie pas, les gens sont contents et des fois ils sont pas contents. Mais là j'ai besoin de le dire pour pas... Parce que ce... Je sais pas parler, ça me casse les couilles, mets-moi une droite. Allez. Le but c'est pas de dire oh, on était des pauvres malheureux dans le mobilhome, on était heureux dans le mobilhome. Oui, bah oui. On manquait de confort, voilà, mais bon, je vais pas le redire mille fois, mais vous avez compris. Alors, c'est l'occasion aussi, les amis, de vous parler d'autre chose. Parce que là, je voudrais bien vous parler de mon château, je voudrais bien vous parler plus en détail, etc. Mais on est sur la chaîne Boiserie, on est là pour faire une FAQ, donc je vais vous parler du délire Boiserie. Donc, on va se poser, je vais répondre aux questions juste avant. Ça fait beaucoup de fois qu'il y a beaucoup de gens qui sont vraiment chauds pour le délire entrepreneurial, financement, comment j'ai fait pour passer de ma caravane à mon château et tout le bordel. Et donc, j'ai ouvert ma chaîne secondaire, donc grosse annonce, là je vous le cale ça comme ça un petit peu sans trop prévenir, mais j'ai ouvert ma chaîne secondaire, ça s'appelle Lulu Ronce de Noyer. Je vous explique pourquoi, parce que bah, Thierry Vigneault Boiserie, c'est Thierry Vigneault, c'est le nom de mon papa qui est plus là, qui est décédé, et Boiserie, bah, c'est mon délire sur l'intérieur en bois des vieilles BMW, et donc les boiseries des intérieurs des vieilles BMW, c'est de la ronce de noyer, et donc du coup,
coup, mon papa et le délire de la boiserie. Et là, du coup, c'est moi, Lulu, Ronce de Noyer. C'est pour ça que j'ai voulu appeler ça comme ça. Ça m'est venu comme une envie de chier. Donc, c'est une chaîne YouTube qui est déjà présente. Il y a déjà une vidéo que j'ai uploadée dessus où je vous présente ce que je vais proposer sur cette chaîne. Que ce soit du contenu pour essayer de comprendre un peu comment marchent les réseaux sociaux. Quelqu'un qui veut un peu se lancer sur Snapchat, sur TikTok, sur YouTube, etc. Je vais donner mes conseils qui ont marché pour moi. Sans dire c'est la recette de la réussite, hein, mais simplement vous dire bah, c'est comme ça que j'ai fait, c'est comme ça que pour moi ça a marché à mon petit niveau. Et puis aussi parler des placements financiers, des placements de ceci et de choses qui je pense n'ont rien à faire sur la chaîne Thierry Vigneault Boiserie, parce que je compte de faire de plus en plus de bourrinage, plus en plus de projets sur des voitures, sur des motos. Et donc là c'est une FAQ, c'est l'occasion de vous en parler, mais je vais pouvoir vraiment aller parler de choses beaucoup plus concrètes, beaucoup plus poussées. Il n'y a pas de moto à gagner, il n'y a pas de voiture à gagner. À chaque fois que j'ai lancé un nouveau truc, je faisais gagner quelque chose pour arriver en pétant les scores, etc. Là aujourd'hui, il n'y a rien à gagner. Juste, si vous voulez me soutenir, si vous voulez faire kiffer, bah abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Et le fait de rien mettre en jeu, bah, je vais vraiment voir ceux qui me suivent. Je vais vraiment voir ceux qui sont prêts à essayer de me donner la force. Et alors en fait, pour répondre à cette question, je vais essayer de répondre un peu plus simplement, parce que je pense que je ferai des vidéos très détaillées sur chaque point, comment, entre guillemets, j'ai fait, parce qu'il n'y a pas de recette, j'ai fait ça, plus ça, plus ça. Comment j'ai fait pour passer de ma caravane à mon château, on va pas en faire tout un flan, j'ai fait un crédit. Voilà. Abonnez-vous, à bientôt! Donc, on a sélectionné des questions que j'ai pas encore vues, donc je sais pas quelles questions vont être posées, donc j'ai préparé aucune réponse. C'est le but d'une FAQ, c'est de répondre de manière un petit peu spontanée. Et donc, pour revenir à ce que je disais, j'ai commencé YouTube, j'étais dans ma fameuse caravane. Et je pense que la chose qui m'a permis d'avoir la vie que je veux, parce qu'il y a des gens qui auraient préféré faire d'autres choses que d'avoir un château ou autre chose d'ailleurs, c'est la persévérance et puis d'être motivé et d'aimer ce qu'on fait. Moi, je suis parti de cette caravane avec ma mère en ayant des envies incroyables et des rêves. Je suis quelqu'un de base qui est très rêveur, et sauf que toute ta vie on te dit mais ça sert à rien de rêver, ça sert à rien de rêver. À l'école on t'apprend pas du tout comment gérer de l'argent, on t'apprend pas du tout comment gagner de l'argent. C'est pour ça que c'est très mal vu en France de gagner de l'argent. Moi je suis devenu le salopard qui gagne sa vie, mais par contre je suis pas devenu le salopard qui travaille comme un chien pour avoir ce qu'il veut, tu vois. Donc moi c'est très simple, j'ai à 17 ans j'ai perdu mon papa qui a fait une crise cardiaque. Bon voilà, la malheureuse chose qui m'est arrivée dans la vie. J'ai eu un héritage, donc c'est vrai, les gens qui disent ça, oui j'ai eu, est-il un héritier? Oui, j'ai eu un héritage, 14 500 euros. Et donc, quand j'ai dû toucher cet argent-là quand j'avais 17 ans, je crois, ou 18 ans. Donc, j'ai hérité de 14 500 euros que j'ai tout réinvesti, plus de 3000 balles que ma mère m'avait donné. Donc là, c'est vraiment fils à papa. J'ai tout acheté, j'ai tout mis dans une M3. Une M3 E46 Laguna Seca Blue, la fameuse M3 la plus belle que j'ai jamais eue de ma vie, qui me manque tant. Donc j'ai acheté cette M3 E46, j'ai roulé avec, et puis je travaillais à l'époque. À cette époque-là, je travaillais chez Honda en apprenti. Je gagnais 731 euros par mois. Et j'ai acheté cette M3, je l'ai bricolé. À côté de ça, j'ai fait beaucoup de motocross que j'ai acheté épave. À l'époque, les 250 CR, 125 CR, 500 CR, ça coûtait rien, ça coûtait 200, 300 euros un peu pourrave. Je les refaisais, je les revendais 1005. Et donc je prenais un billet de 800 euros, entre 7 et 1000 euros, je prenais de marge et j'en faisais souvent quoi. Et donc j'ai revendu cette M3, j'ai revendu plus cher que je l'ai acheté. Après j'avais acheté, je sais plus trop dans l'ordre, mais j'avais acheté une 335i performance avec les LED, mais le volant à LED d'origine BM, que j'avais revendu. J'avais dû l'acheter 21 000, j'avais revendu 24, à 24 j'avais acheté une Audi TT rouge, j'avais dû l'acheter, c'était une Audi TT S ABT, enfin bon elle était pas mal, j'avais revendu, j'avais pris 2-3 000 euros. Et puis donc il y a eu, après j'avais acheté en parallèle le Cayenne, en bidouillant un peu des motos et tout, en prenant dans la marge que je faisais avec les motos, etc. Et puis après il est arrivé la fin de la période de chez Honda, et puis j'ai été embauché chez Kawasaki. Donc j'ai été pris en tant que vendeur, je gagnais 1400 euros net. C'est pour ça que chaque personne que j'embauche dans mes différentes entreprises, je donne toujours le plus gros salaire que j'ai eu en tant que salarié à mes salariés qui commencent avec moi. Donc moi le plus gros salaire que j'ai eu en tant que salarié c'était 1400 euros net. Donc chaque personne qui commence avec moi gagne d'office 1400 euros net. Et après ça peut monter très haut. Aujourd'hui, j'ai des gens qui travaillent avec moi qui sont payés vraiment, vraiment très cher. Mais parce qu'ils méritent et qu'ils fournissent un travail qui est exceptionnel. Et j'ai la chance d'avoir une équipe exceptionnelle, mais je travaille pour que cette équipe soit exceptionnelle. Et c'est pour ça que malheureusement, j'ai le mauvais côté aussi, où dès qu'il y a quelqu'un qui est un peu chiant ou qui fout un peu la merde, je dois m'en séparer très vite. Pour garder ce confort, cet équilibre, cette équipe de gens qui sont heureux, qui bossent, que j'essaye de mettre bien au maximum. Et donc en fait, je travaillais chez Kawasaki pour 1400 euros net.
Et puis j'ai continué avec ce petit pactole de en partant des 14 000 euros de la M3, à chaque fois augmenté 20, 25, 26. J'ai dû finir avec 26 ou 27 000 euros, un truc comme ça, en partant des 14. Et puis à côté, j'ai pendant une année ou deux, j'ai mis de côté, je continuais à vivre avec à peu près le train de vie que j'avais de 700 euros de chez Honda. Donc j'ai mis à peu près 800 à 1000 euros de côté tous les mois. Et puis j'ai fait pareil en continuant à faire les motocross. Et Honda me revendait les motocross qui rachetaient d'occasion pour vendre des neuves. Et je les refaisais, je les retapais, j'ai fait mais vraiment beaucoup de motos. Et donc j'ai réussi un jour à accumuler, tout compris entre l'argent que je mettais de côté, le petit pactole de voiture que j'avais fait, j'avais accumulé 40 000 et quelques euros. Et puis quand j'étais chez Kawasaki, à un moment donné, j'avais fait un crédit de 15 000. Et avec les petits sous que j'avais à droite à gauche, j'avais réussi à réunir 58 000 euros et j'ai acheté mon Audi R8 noir, qui est devenu la Audi R8 dorée. Donc j'avais acheté cette voiture-là, j'étais... gros, je pouvais pas changer un pneu, je pouvais pas mettre l'essence. Mais j'avais une R8, je m'en foutais à l'époque, j'étais dans cet état d'esprit de rêver, de dire mec, j'ai rassemblé l'argent pour faire. Et j'avais fait un crédit, je me rappelle, et pour mettre au bout, et j'avais une R8, mec. J'étais le mec le plus heureux de la Terre. Je m'en foutais, gros, que si je crevais le pneu, je pouvais pas le payer. La voiture, au moins, elle était dans ma cour, elle était chez moi, c'était la mienne, je m'en branlais, tu vois, même si elle roulait pas. Et puis après, j'ai eu l'opportunité, en garde à vue, de rencontrer un flic. Parce que à cette époque-là, j'allais souvent en garde à vue pour les wheeling et tout que je faisais, mais finalement, ça m'a servi parce que j'ai rencontré un flic extraordinaire. Et j'ai fini donc par racheter la Ferrari Testarossa de cette personne-là, que j'ai refaite. J'ai revendu la R8 à peine 50 000 euros de mémoire pour financer les frais dans la Testarossa que j'avais. C'était une enroule, crédit et tout à la mort. Et en fait, je devais mettre 20 000 euros de rénovation dans la Testarossa et ça a fini à 60 000. Sauf que gros, toutes les semaines, j'allais au garage et il y en avait pour 10 000 de plus, 15 000 de plus, 5 000 de plus. Gros, j'ai cru que j'allais me suicider. Enfin bon, j'ai fait 1000 crédits pour pouvoir refaire cette caisse, ça a été un enfer. Et j'ai réussi à la refaire. Et je l'ai revendue, et j'ai gagné de l'argent avec. J'ai remboursé les crédits, enfin bon, cette voiture-là, ça a été une folie dans ma vie, parce que c'était vraiment, je dormais plus de la nuit, j'avais peur de devoir vendre toutes les voitures, tout ce que j'avais, gros, pour pouvoir payer les réparations. Parce que je m'en sortais pas, c'était vraiment incroyable, et j'ai réussi à le faire, et je suis très content, parce que à la finalité, j'ai gagné de l'argent. Mais ça m'a tellement appris plein de choses que voilà, c'était une putain d'expérience. Et puis bah après j'ai continué à évoluer sur YouTube parce que tous ces épisodes de la Ferrari qu'on a refait, ils sont disponibles sur ma chaîne YouTube, c'était au début. Et puis bah j'ai continué ma démarche transparente en fait. À vous expliquer combien je gagnais par mois, comment je faisais mes vidéos, comment je gagnais de l'argent, etc. Et donc j'ai continué à évoluer. Tout en étant honnête et transparent avec tout le monde, ce qui fait que bah, les gens ont dit, bah voilà, il nous prend pas pour du flan, et c'est ça le problème aussi un peu sur YouTube et Internet aujourd'hui. Or moi, je te cache pas qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui commencent à se dire, oui, mais l'autre, c'est pas possible que ce soit YouTube, c'est pas possible que ce soit machin. Effectivement, ce n'est pas que YouTube. Aujourd'hui, YouTube, c'est 10% de mes revenus. Et j'ai d'autres entreprises qui me font gagner ma vie, et j'ai des placements qui me font gagner ma vie, etc. Donc le tout fait que je gagne très bien ma vie, mais c'est 8h à 1h du matin tous les soirs pratiquement, tu vois. Ça veut dire que je fais plus de soirées, ça veut dire que moi je bosse, d'un seul coup je prends une matinée ou une journée pour aller faire de la moto, mais je rentre le soir, je rebosse. Le matin je me lève, je vais faire du vélo, je travaille, le soir je rentre chez moi, je fais mon sport, je mange, je travaille. Mais c'est la vie que j'ai voulu, tu vois. Et aujourd'hui, moi, ma priorité, c'était de mettre à l'abri ma famille. Et donc ça s'est fait assez vite. On vivait tellement avec rien que de pouvoir acheter un frigo ou à manger, pour moi, ça, j'avais déjà mis ma famille à l'abri. Et puis j'ai continué à évoluer sur YouTube, à gagner de mieux en mieux ma vie. Dès que j'ai généré assez d'argent pour payer un salaire, j'ai embauché quelqu'un. Dès que je générais 1200, 1500 euros de plus, j'ai embauché une deuxième personne, une troisième. Et aujourd'hui, on est sur la totalité, une trentaine de personnes qui travaillent pour mon groupe de société, dont 13 ou 14 à 100% pour le délire la boiserie. Donc voilà un petit peu tout mon processus. Moi j'ai évolué et puis au départ ça a été vraiment ma chaîne YouTube qui m'a permis de vendre des vêtements. Après j'ai développé Essential Airsoft et puis bah après j'ai développé des choses qui dépendent plus de YouTube. Au départ ces choses là si j'ai pu les développer, c'est en gagnant de l'argent de YouTube. Donc moi je suis YouTuber, je me suis fait avec YouTube. Ça veut dire que peut-être que oui, aujourd'hui j'ai monté un magasin de moto, l'argent pour pouvoir investir dans ce magasin de moto, nous un magasin de moto comme ça, rien que le meubler, mettre des motos, des meubles, les travaux, etc., ça nous a coûté 2, 3, 400 000 euros peut-être. Tu vois, cet argent-là, je l'ai gagné avec YouTube, avec ma monétisation sur Facebook, avec l'argent que je gagne sur la vente de mes vêtements, etc. Mais ce qu'il faut comprendre, quelque chose, c'est qu'aujourd'hui, je réinvestis 99%, si c'est pas 100% de ce que je gagne. Ça veut dire que je me fais
quelques petits plaisirs, mais ces petits plaisirs-là sont très calculés. Les gens peuvent se dire, oh, l'autre, il a une Rolex, machin, mais c'est une montre qui spécule, qui prend tous les 10 ans le double de sa valeur, parce qu'elle est bien choisie, bien machin. Comme d'acheter une Lamborghini d'un certain modèle d'une certaine année, avec une spéculation folle. Et c'est pour ça qu'à côté, les Lamborghini qui me servent pour mes vidéos, pour ma boîte de lock, que j'arrête de mettre soit en lock ou que j'ai fait assez de vidéos dessus, comme la M5, la RS6, j'ai fait mes vidéos, je les vends. La Lamborghini, hop, je veux plus la louer, donc je la vends. Et à côté de ça, je me garde mon Aventador parce que c'était mon rêve de l'avoir, cette voiture, mais elle est bien choisie. Voilà, c'est, en fait, faut comprendre que tout est calculé dans tout ce que je fais. Être riche, machin, je m'en branle de ça. Moi, l'argent, je le vois comme un levier qui me permet d'atteindre ce dont j'ai envie, c'est-à-dire de rouler dans des belles voitures. Ça, pour certains, ça peut être aller voyager à travers le monde. Moi, je le vois comme avoir un château, ma tranquillité, des hectares et des hectares de campagne, etc. Et c'est ça que je vois, moi, aujourd'hui. C'est le levier de confort et le levier de l'argent qui te permet de faire ce que tu veux. Et ça, je l'ai atteint, mais à la force du travail, quoi. Mais j'ai cru en mes rêves, j'ai rien lâché. J'ai pas écouté tous les enculés qui m'ont dit que j'étais une grosse merde, que j'étais un gros beauf, que j'allais pas réussir, que voilà, tous les gens qui m'ont fermé les portes parce que j'étais le mec un peu vulgaire de YouTube, un peu bourrin. Et puis bah, j'ai cravaché, j'ai jamais lâché, jamais lâché, jamais lâché, et je lâcherai jamais. Quitte à en crever, je préfère en crever, prendre un coup de fusil dans la gueule, j'en ai rien à branler, je lâcherai jamais, frère. Et je continuerai jusqu'à avoir d'autres châteaux, jusqu'à rénover des églises dans mes villages, jusqu'à faire mille et une choses qui me passionnent, et avoir des voitures, et avoir des avions, et voilà, moi je veux. J'adore tous ces trucs-là et je suis trop heureux, quoi. J'ai l'impression de vivre un rêve éveillé, mais en même temps, quand tu réfléchis, c'est pas un rêve, c'est pas tomber du ciel. C'est un rêve éveillé, mais gros, c'est 15 heures de travail par jour. Et il y a des gens qui en voudraient pas de cette vie. Mais en tout cas, moi, je kiffe. Bon, là, je vais répondre aux questions parce qu'on est sur une putain d'FAQ, ça doit faire déjà je sais pas combien de temps que la vidéo a commencé. Et donc, on va passer aux questions que vous m'avez posées, les amis, par rapport à cette fameuse FAQ qui a pratiquement 1 million d'abonnés de retard. Alors, première question. Bonjour, que pensez-vous des écolos? Je pense que c'est très bien. Ils s'attachent à une cause qui leur est propre. Voilà, je suis pas spécialement écolo, je pense que je suis peut-être même plutôt l'inverse, mais par contre j'ai quand même beaucoup de respect pour la nature et pour ma campagne, malgré que ça paraisse un peu absurde de dire ça. Moi je respecte toutes les causes. Les gays, les anti-machins, les trucs bidules, je m'en branle un peu du moment qu'ils me font pas chier, quoi. J'aurais jamais rien contre un écolo ou contre un vegan du moment qu'il vient pas me péter les couilles. Mais je les respecte. Avec quoi tu roulais à 14 ans? J'avais une 103, qui est celle qui est devenue rouge avec le brossier allongé. C'était cette 103 là que j'avais, qui était rose et bleue à l'époque. Tu t'imagines en vie de famille? Non, pas du tout. Je pense pas être prêt à avoir des enfants encore. Je suis pas sûr d'avoir la maturité. Je m'étais toujours dit que j'aurais des enfants quand je serais riche. Mais quelle est la définition de la richesse? C'est quoi? C'est avoir de l'argent? C'est avoir du temps? C'est quoi? C'est pas pour l'instant, j'ai pas prévu d'avoir une vie de famille et des enfants. Et voilà, j'ai assez de problèmes à gérer avant de me refoutre une balle dans le pied. Je sais ce que ça fait, c'est déjà relou. Non, j'aimerais avoir des enfants un jour, oui, ça c'est sûr. Mais pas tout de suite. Feras-tu un tour de France pour voir un peu tous les abonnés? Bah, on le fait déjà avec les boutiques éphémères. Là, on a prévu de faire pas mal de centres Shift Tech. On a déjà fait Strasbourg, la Belgique, Nantes, Angers, j'en oublie d'autres. La prochaine sera certainement à Paris, on va sûrement avoir une date à Lille, à Marseille. On va rencontrer les abonnés en faisant un tour de France, boutique éphémère, faire des photos, etc. Et on a envie de recommencer aussi un tour de cross moto qu'on a fait en allant sur plein de terrains de cross dans toute la France. On va réorganiser ça. Tu comptes en faire quoi du deuxième bus? Et bah, le deuxième bus, il y a beaucoup de gens, contrairement à ce que je pensais, qui m'ont sollicité en me disant bah j'aimerais bien le racheter. Il y a carrément des gens qui m'ont dit moi je sais combien ça coûte de le rénover, nanana, il y en a pour 10 000 euros. Alors, je pensais pas qu'il y avait des gens qui étaient capables et qui avaient envie de mettre 10 000 euros dans un bus qui roule à 70 et qui est un peu poivre. Mais du coup, j'ai dit bah y a pas de problème. Donc là, on est en train de s'échanger par mail. Il a budgétisé le truc à 10 000. Donc tant mieux s'il peut se faire une maison là-dedans. Au moins, j'aurais tenu ma parole et puis lui, il pourra se faire un kiff. Le manoir, tu en es où? Eh ben, on a reçu enfin la semaine dernière les autorisations de travaux après 3 ans de galère, 3 ans d'emmerde. Je vais pouvoir enfin commencer à faire intervenir les entreprises pour refaire les murs, renforcer 2-3 trucs et refaire la toiture de mon manoir. Je vous cache pas qu'il a fallu qu'il y ait une poutre qui tombe et qui m'écroule à moitié un mur pour que bah, ça affole un peu tout le monde pour que les travaux puissent commencer. Combien as-tu acheté le château? 1 500 000 euros. Avec les frais, les charges et tout, on peut pas faire plus transparent. Est-ce que tu vas refaire le Touquet en 2023? Oui, je vais le refaire avec MX Test. J'aimerais bien faire le Vintage et le Touquet normal. Et là, cette année, j'y vais pour faire un score, pour voir ce que je vaux vraiment dans le sable. Parce que là, on l'avait vraiment fait en mode tranquille, on a fait 400 et quelques. Donc là, le but, c'est de faire dans les 100 premiers, pourquoi pas. Quel est ton prochain rêve? Eh bah, écoute, j'en ai réalisé déjà beaucoup. C'est que je rêvais, mes plus gros rêves, c'était le château et une Lambeau. Je les ai. Maintenant, mon but, c'est de continuer à développer de ouf les vidéos YouTube avec des prépas de plus en plus folles, faire des voitures de fou, faire préparer des caisses à la mort,
Voilà, c'est ça mon rêve, c'est de pouvoir continuer à faire des trucs de fou sur YouTube. Faire des concours où je vous fais gagner des voitures de malade, j'ai envie de continuer à faire tout ça. Et puis bah mon rêve, ce serait de continuer à bien gagner ma vie, pour pouvoir acheter d'autres châteaux, subventionner des travaux dans des communes pour refaire des églises ou refaire des châteaux qui sont en train de pourrir quoi. Ça c'est un de mes rêves, et puis j'ai d'autres projets dont je peux pas parler parce que je suis en train de les développer. Toujours dans le délire entrepreneurial, etc. J'ai plein de rêves autour du taf et du développement de nouveaux projets. Est-ce qu'il y aura un jour un projet plus gros que la 335i? Oui, la 335i d'ailleurs, on va tourner normalement cet après-midi au moment où tourne cette vidéo, le dernier épisode de ma 335i Rocket Bunny Verte. Donc on va normalement tourner ça cet après-midi. Et oui, j'ai un beau projet qui arrive. Un deuxième qui est pas mal non plus, et j'aimerais bien fin d'année, voire début 2023, faire un très gros projet. Est-ce que les finances seront là? Voilà, parce que c'est dur, il y a tout un calcul économique à faire autour de ça. J'ai un très gros projet, ouais, autour de l'automobile pour YouTube. Donc voilà, ça devrait arriver, mais oui, ça sera bien, bien plus ouf que la 335i. Peux-tu nous faire une visite détaillée du château et des dépendances? Bah c'est prévu. Dites-moi si c'est sur ma chaîne principale ou du coup ma chaîne secondaire, maintenant que j'ai une chaîne secondaire, que vous voulez la visite détaillée du château. Et quand les pulls avec les taches de peinture seront dispo sur le shop? Alors c'est vrai qu'avec le déménagement et tout ce qu'on a fait, ça a pris un peu de retard, les pulls où je jette de la peinture dessus. C'est vrai qu'ils rendent vraiment bien, moi je les adore. Donc on a prévu de le faire, parce que j'attendais d'avoir le château et les dépendances pour pouvoir embaucher plus de monde. Parce qu'on était vraiment restreint par nos mètres carrés qui étaient pas assez gros pour nous dans mon ancien local. Et là on va pouvoir prendre quelqu'un qui va s'occuper de faire un peu de confection aussi sur des vêtements, un peu de personnalisation. On a du monde qui va arriver pour Essential Airsoft, pour la mécanique, etc. Pour les vidéos, donc on va agrandir l'équipe de pratiquement une dizaine de personnes. Ta voiture que tu préfères dans celle que tu as? Y a ma TDS rouge Rocket Bunny qui est vraiment folle et qui me fait rêver à la mort entre le bruit, les jantes larges et tout. Et il y a l'Aventador. Je dirais que pour des raisons financières, celle à garder c'est évidemment l'Aventador, mais les deux me font rêver. L'Aventador SV c'est vraiment une voiture folle. La 335i elle est folle aussi, mais je crois que je préfère encore la TDS. Je sais pas, à garder sur une île déserte, s'il n'y avait pas de question d'argent, ça serait évidemment la TDS. Mais aujourd'hui elle vaut tellement cher, l'Aventador SV. Je crois que c'est elle que je préfère quand même, mais j'ai un doute. À quand une Chiron en location? Certainement jamais, quand tu vois le prix que ça coûte. Non, ça c'est pas prêt d'arriver. Pour l'instant, on se dirige aussi vers l'utilitaire chez Essentiel Location. On est en train de rentrer des dépanneuses, des sprinters, camions Ben. Donc voilà. Mais ça, je ferai un sujet complexe là-dessus, sur la chaîne secondaire, parce qu'il y a vraiment des choses à raconter sur cette boîte-là. Comptes-tu refaire des feats avec des youtubeurs? Ouais. Alors, bizarrement, je préfère beaucoup les petits youtubeurs. Il y a des gens qui sont ultra intéressants, entrepreneurs à la mort et tout, comme Amixem, que j'ai rencontré, plein de gens que je suis. Mais je compte les gens, dès qu'ils ont un peu de vue, ils se branlent la teub à mort. Alors, soit ils sont ultra inaccessibles, soit ils se prennent pour des dieux vivants, et donc du coup, ils me pètent les couilles. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de faire des feats avec des youtubeurs qui sont plus petits que moi, mais qui restent très hauts par rapport au début. Moi, quand tu me parles de quelqu'un qui a 100 000 ou 150 000 abonnés, pour moi, c'est énorme. Aujourd'hui, oui, j'ai 1 200 000, mais à l'époque, quand j'avais 30 000 abonnés, passer les 100K, pour moi, je pouvais crever après, tu vois. Quand je vois des gens comme La Boîte à l'envers, qui ont encore un taf à côté, tu vois, il est pas youtubeur à temps plein. Quand je vois MXTest, aujourd'hui, qui ont réussi à développer le truc et devenir salarié de leur propre entreprise, c'est avec ces gens-là que j'ai envie de faire des vidéos. Parce qu'ils sont cool, simples et tout. Mais il y en a des très bien, comme des mecs comme Amixem, justement. Joyka, tout ça, des gens que j'ai rencontrés qui étaient très cool. Vodka, tous ces gens-là, des gens que je kiffe. Mais il y en a d'autres que j'ai pas du tout envie de rencontrer, quoi. Lana Roades ou Sarah Lizito? Bah, Lana Roades, maintenant elle a un enfant, donc relou. Mais j'aurais bien aimé voir en vrai le petit cœur qu'elle avait sur les fesses. Et Sarah Lizito, évidemment, la question se pose pas. Elle est trop adorable, cette meuf. Elle est trop forte, elle est trop. Je l'adore. Voilà, c'est tout, il n'y a rien d'autre à dire. J'ai envie de vivre avec elle, j'ai envie de. Voilà. Je peux pas vous en dire plus. Tout ce que tu achètes, tu le payes cash ou tu empruntes? Ça dépend de quoi tu parles. Il y a beaucoup de choses que je paye cash, mais il y a des choses que j'emprunte, sur lesquelles je fais des emprunts. Là, il n'y a pas longtemps, j'ai acheté plusieurs bâtiments. La plupart, je les ai payés cash, parce que dans ce que j'avais prévu de faire, c'était plus intéressant pour moi de les payer cash. Et puis, il y a d'autres projets que je finance avec des emprunts bancaires, parce que c'est beaucoup plus intéressant de garder le cash et de faire ce que je fais avec, qui va me rapporter beaucoup plus. Que l'emprunt va me coûter en intérêt. Donc voilà, donc j'utilise les deux. En tout cas pour les voitures, je fais pas de financement. Quel est ton salaire par mois, ton compris?
Mon salaire par mois, tout compris, c'est 7000 euros. Parce qu'aujourd'hui, normalement, on doit l'augmenter. Parce que c'était beaucoup plus intéressant par mois pour moi de me verser 7000 euros par mois sur le groupe de mes sociétés et de prendre des dividendes à la fin de l'année. Alors là, il y en a qui vont crier au scandale, c'est trop cher, oh là là, c'est incroyable. Et il y en a qui vont se dire, c'est un menteur, il prend pas si peu. Donc bon, en tout cas, je prends 7000 euros par mois. Tu gagnes combien juste avec YouTube? YouTube, ça me rapporte à peu près 30000 euros par mois. Là, je suis sur mon YouTube Studio. Et je fais 7 millions de vues. Et je gagne entre 24 et 29, 30 000 euros par mois. Euros. Je prends à peu près entre 25 et 35 000 abonnés tous les 28 jours. Parce que c'est pas par mois, en vrai, c'est par 28 jours. Et je gagne à peu près la même chose avec Facebook. Un peu moins. Ma chaîne Facebook génère beaucoup plus d'argent, mais c'est une société qui s'occupe de remonter les vidéos, etc. Donc qu'ils prennent la moitié. Mais de toute façon, j'aurais pas le temps de le faire, donc plutôt qu'ils prennent la moitié, autant qu'ils prennent la moitié, plutôt que je prenne rien du tout. À quand une nouvelle édition TDS Challenge avec le truc du genre Medo et Babas? Eh bah, une édition du TDS Challenge, j'ai prévu de vous faire un délire comme ça. Et faire intervenir d'autres youtubeurs. J'aimerais bien organiser ça, mais avec un vrai truc. Un vrai circuit, un truc bien fait. Avec Medo et Babas, ouais, c'est sûr que ça tomberait bien. Alors il y en a beaucoup aussi qui me posent des questions par rapport à Babas qu'on voit moins souvent sur les vidéos. Donc il est pas reparti en prison, ne vous inquiétez pas. Justement, aujourd'hui il bosse, donc c'est trop cool. On fait pas de choses ensemble, parce que moi j'ai longtemps voulu bosser avec Babas. Ça a longtemps été compliqué parce qu'il a pas du tout la même vision des choses que moi sur le travail. Et c'est ça qui fait notre amitié aussi, hein. C'est le fait d'être différent qui fait qu'on s'entend bien. Mais en tout cas, on est régulièrement au téléphone, on s'écrit tous les jours. Il n'y a pas de galère, mais c'est vrai qu'en ce moment, il est moins sur YouTube. Peut-être qu'il reviendra plus, peut-être pas. On se prend pas la tête, comme on s'est jamais pris la tête en fait. Hein. On n'a jamais mis les choses à plat, carré, en disant ouais, on fait tant de vidéos, machin. Jamais quoi. On fait une vidéo, tant mieux, on n'en fait pas, on s'en fout. Ça change pas notre amitié. En tout cas, il va bien et il n'est pas en prison, parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui se posaient la question. Mais en même temps, il nous a tellement habitués à ça, ce salaud, que on est obligé d'y croire dès qu'on le voit plus pendant 3 vidéos. Comptes-tu faire un nouveau concours comme la M3 et la M4? Si oui, quand? Oui, j'avais dit un jour que j'arrêterais parce que je trouve que ça se démocratise trop, il y a trop de gens qui le font mal et je trouve que ça donne une mauvaise image des jeux concours parce que les gens le font mal. Ils font des trucs à l'arrache, en fait ils essayent de faire du copier-coller de ce que je fais et ils le font à l'arrache et du coup ça vient banaliser ce truc que je mets un an à préparer. Quand je vois et ça m'étonne pas, quand je vois comment je galère à faire en sorte d'équilibrer les masses et de gagner un peu d'argent, quand je vois le mal qu'on se donne, l'argent que ça génère, mais l'argent que ça coûte, je me dis, mais oui, en faisant des trucs à l'arrache, ils perdent de l'argent. Quand j'en vois qui font gagner des trucs à 10-15 000 euros et qui vendent 120 t-shirts, mais les mecs, ils se sont tirés une balle dans le pied, quoi. Donc oui, j'ai envie d'en faire des nouveaux, mais je continuerai à les faire bien. C'est pour ça que j'en ferai pas toutes les 3 semaines, quoi. Et j'aimerais bien continuer à augmenter les lots que je vous fais gratos. Parce qu'entre chaque concours payant, où il y a un t-shirt à acheter ou une casquette, j'offre toujours quelque chose. Mais oui, je compte en faire, et si oui, quand? Bientôt. Ça va bientôt arriver. Comment tu te vois dans 10 ans? Je me vois bien, hein. Franchement. Je me vois bien, je me vois toujours de plus en plus entrepreneur. Je me vois créer des choses peut-être à l'international. Je me vois toujours sur YouTube. Mais vraiment, avec ce confort que je commence déjà à avoir aujourd'hui, c'est de plus dépendre vraiment de YouTube. Je me vois bien dans 10 ans avoir une chaîne YouTube qui ressemble plus à Monster Garage qu'autre chose, quoi. Pour vous donner un petit peu mes projets à long terme. Revenu fiscal déclaré, j'en ai aucune idée. J'ai une dizaine de sociétés, énormément d'argent qui fluctue entre... revenu fiscal déclaré, j'en sais rien. Franchement, je sais même pas. Plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'euros, ma comptable n'a pas la réponse non plus, mais je pourrais le savoir, mais je préfère même pas le savoir, frère. Je fais le virement, vas-y, c'est bon. Regardez-moi cette vue incroyable, les amis. Alors, la suite des questions. À quand la piste d'avion du LM au château? Ben écoute, je suis en pourparlers justement. Je voulais vous l'annoncer un petit peu comme ça, mais je suis en train d'essayer de voir pour passer le permis ULM et d'avoir mon avion chez moi. Mais il y a plein de trucs à la con à faire et tout, mais j'aimerais bien pouvoir décoller d'ici, quoi. Partir de mon château, parce que j'ai une énorme ligne droite là, et pouvoir décoller et atterrir de mon château avec un ULM. Et moi je pensais que c'était des budgets incroyables comme des hélicos, mais pas du tout, quoi. Y a des ULM, ça commence à 15 000 euros, quoi. As-tu une grosse tub? Souvent les meufs me l'ont dit. C'est pas pour me vanter, mais souvent les meufs me l'ont dit. Donc je pense que soit c'est comme les profs qui te disent vous êtes la pire classe, et ils disent ça à tout le monde, soit c'est que c'est vrai. Comment as-tu trouvé le personnage de gitan? Continue comme ça, mon copain. Bah moi j'ai grandi avec des amis gitans, j'ai toujours eu des potes gitans autour de moi, j'ai toujours passé des putains de bons moments à rigoler avec eux et tout, et du coup c'est devenu une évidence parce que je faisais déjà le gitan en rigolant, et du coup après j'en ai simplement fait une vidéo et ça a marché, et j'ai continué tout simplement. Mais comme beaucoup de gens qui parlent gitan entre eux pour rigoler.
Comment recrutes-tu tes employés ? Bah écoute, il y a beaucoup de gens, c'est des gens de mon entourage ou des gens que je connais, et puis sinon je passe des annonces directement sur les réseaux sociaux. Et puis voilà, on fait des réunions, on se voit, on voit si ça va. Alors moi j'accorde autant d'importance pour que ça aille pour moi, mais pour que ça aille aussi pour la personne que je recrute. Et puis si ça colle, bah ils font partie de l'équipe. Quel a été ton plus gros coup dur depuis ta notoriété ? Déjà si je cherche, c'est qu'il n'y en a pas eu des gros. Un gros coup dur, Bah c'est quand les médias, quand tu passes par exemple au tribunal, je suis déjà passé au tribunal pour des conneries, tu vois. Et que les médias déforment tout. De voir dans les journaux des trucs faux, des trucs de merde, des mythos où les mecs ils se trompent dans ton nom, ils se trompent dans la façon de raconter le truc, où ils donnent ton adresse, tu vois, c'est vraiment des bâtards. Et ça a été un coup un peu dur, mais franchement j'ai pas mal dormi. Hein. À quand Pierrick en whip sur la Harlette, ta maman ? C'est Raph DMX, c'est ce qui pose la question. Bah moi j'aimerais bien voir Pierrick Paget déjà en train de faire un wheeling en motocross sans casque, ça me plairait vraiment. Parce qu'on l'aurait vraiment sorti du purisme et j'aimerais trop le voir, quitte à bloquer une autoroute pour le faire un truc qu'on a légal, tu vois, mais le voir en train de faire un wheeling avec le bras qui pend comme ça, j'aimerais trop, c'est mon rêve, je crois que c'est mon rêve. Médéric, t'es riche, point d'interrogation. Moins que toi enculé. Alors farine de blé, fuck you. Il m'énerve ce mec, putain, il est insupportable. J'espère que tu tousses bien tes poumons avec ton Covid, enculé. Xav Photographie. La gestion de ton temps n'est pas trop difficile avec toutes les activités. C'est vraiment le truc qui me prend qui est le plus dur à gérer pour moi aujourd'hui, c'est la gestion du temps. Tellement chronophage tout ce que je fais que, bah du coup, voilà. As-tu des regrets dans ta vie ? Non, je regrette rien. C'est fou ça quand même. Je regrette rien du tout. Mes échecs m'ont permis de mieux me relever. J'ai pas commencé trop tard dans la vie active. J'ai pas commencé trop tard à investir. J'ai zéro regret. Putain, pourvu que ça dure! Est-ce que tu comptes exploiter les vignes de ton nouveau terrain autour du château? Bah, elles sont déjà exploitées en fait. J'ai acheté le château avec 25 hectares de vignes qui étaient déjà en exploitation par un viticulteur. Et donc, j'ai repris les baux pour continuer à louer mes vignes à ces agriculteurs en fait qui les exploitent et qui me versent un loyer. Voilà. Vas-tu rester avec ta mère toute ta vie, tel boss continue? Bah oui. Bah oui, évidemment. Moi, je suis, si tu veux, je m'étais toujours dit une chose dans ma vie, que je resterais chez ma mère tant que j'achèterais pas ma maison. Je voulais pas louer de maison. J'ai toujours fait mes projets avec ma mère, acheté des trucs avec ma mère. Ma mère, elle est associée avec moi dans des sociétés. Là, je viens de lui faire acheter sa première maison à elle toute seule. Donc ma mère, elle fait tout. En fait, je l'engage dans tout ce que je fais et je la fais investir en bourse. Enfin, voilà. On fait plein de trucs ensemble, c'est trop cool, donc évidemment, je passerai ma vie avec ma mère, ça c'est clair et net. Est-ce que ce serait pas le bon moment pour s'abonner ? Oh putain, ça c'est génial, merci Léo. Voilà, c'est vraiment le bon moment pour s'abonner. Bientôt 2 millions d'abonnés sur ma petite chaîne YouTube. Montre-nous tes putains de voitures. Bah oui, je pourrais vous les montrer, j'en ai plein, il y en a que je vous avais pas encore vu, mais un jour... Moi, je vais vous montrer ça, en plus, vous montrer tout mon parc auto, parce qu'il y a des voitures que j'ai pas montrées, et il y a des voitures que vous connaissez, mais c'est vrai qu'il y a peut-être un petit focus à faire sur les autos que j'ai en ce moment. Longue vidéo s'il te plaît, bah je pense que c'était le cas. Voilà, lui en tout cas pour le dernier commentaire il sera content. Je pense qu'on a fait le tour, les amis. J'ai trouvé ça cool et nécessaire de vous faire une petite vidéo comme ça où je me pose, où je parle voilà, vraiment un peu plus en détail, en espérant vous avoir donné des petites illustrations qui vous ont rappelé un petit peu le délire boiserie. C'est reparti pour des nouvelles vidéos un petit peu bourrin. Là on a vraiment du putain de contenu qui arrive, je suis trop content du contenu qui arrive sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez être contents. En tout cas ça m'a fait plaisir de faire un point à nouveau sur cette petite chaîne en vous expliquant un petit peu, retracer un petit peu mon petit parcours et puis vous donner mes projets, que ce soit en chaîne YouTube, en projet de vidéo, personnel, financier, etc. Donc voilà. Merci les amis d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma petite chaîne secondaire Lulu Ronce de Noyer, très important. Alors, je compte sur vous pour voir ce que ça va donner, voir combien va y avoir d'abonnés, etc. Donc trop cool. Et puis bah celle-ci, pour continuer le délire. Voilà. Ça n'arrête pas, c'est trop cool. Merci, merci, merci mille fois les amis. Et puis bah on a sorti un nouveau petit t-shirt sur mon petit site internet, hein. On va pas se mentir. C'est pas vrai. Allez, salut. La première comme ça. L'auto elle prend feu sur place pendant un kilomètre, elle s'arrête jamais. Hein ? Comme ça qu'on le tait.